compte de cette édition d'information dont voici les titres. La campagne nationale de reboisement a été lancée ce mercredi en Guinée. Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable compte reboiser 1000 hectares pour cette troisième édition. Le coup d'envoi a été donné sur les berges du bassin du fleuve Concouré où se situent les barrages hydroélectriques de Kalita et de Swapiti. La journée africaine de la lutte contre la corruption a été célébrée ce 11 juillet 2024. Le phénomène est réel en Guinée, c'est pourquoi des acteurs de la société civile font des dénonciations pour alerter la justice. Cette journée est donc une occasion pour mener des réflexions sur les voies et moyens permettant de freiner le phénomène dans les sociétés africaines. Détail à suivre dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, la troisième édition de la campagne nationale de reboisement a été lancée hier, mercredi, dans la sous-préfecture de Tondon, à Dubrika. C'est la ministre de l'Environnement et du Développement Durable et son collègue de l'Énergie qui ont donné le coup d'envoi sur les berges du bassin du fleuve Concouré où se situent les barrages hydroélectriques de Kalita et de Swapiti. Cette année, le département de l'Environnement compte reboiser une superficie de 1000 hectares. Reportage Matanouba. C'est les berges du bassin du fleuve Concouré dans la sous-préfecture de Tondon qui ont été choisies pour le lancement officiel de la campagne de reboisement de cette année. La ministre de l'Environnement et du Développement Durable, accompagnée de son collègue de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, ont donné le ton. Leur présence sur place explique l'importance du reboisement dans une Guinée secouée par le changement climatique et le manque d'énergie. Nous observons une grande déforestation de ces berges et c'est la raison pour laquelle cette année la campagne de reboisement se focalise très particulièrement sur les berges des cours d'eau et les têtes de source. Cela également pour adresser la question liée à l'énergie. Pendant que le gouvernement est à l'œuvre pour des solutions urgentes et immédiates pour résorber le manque d'électricité actuel. Nous travaillons également sur des solutions à moyen et long terme qui passent nécessairement par la reforestation des berges des cours d'eau. Aujourd'hui, moi, je suis très satisfait et je remercie toute la direction de l'environnement, son ministère, pour avoir débuté cette campagne par les berges du Concouré. Dans la mesure où, s'il n'y a pas d'eau, je l'ai dit aux Chinois quand j'étais il y a cela deux semaines là-bas, que dans 10 ans, si rien n'est fait, ce barrage ne servira plus à rien. Et encore, je réitère ce cri de cœur. Aujourd'hui, nous sommes en guerre, et c'est contre nous-mêmes, parce que c'est nous qui avons détruit la nature. Si on ne fait pas attention, si on ne prend pas garde, dans 15 ans, 20 ans, nos enfants n'auront que leurs yeux pour pleurer. Les espèces de plants retenues pour la campagne nationale de reboisement 2024 s'adaptent mieux aux conditions climatiques de la Guinée. Les espèces qui ont été retenues, ce sont des essences locales. Les essences locales, nous avons mis les lingues, c'est-à-dire Abzelia africana, le Daniela oliveri et le Parkia biglobosa. Donc ces essences ont été choisies parce que les conditions édapho climatiques, les essences s'adaptent mieux. On a pensé qu'il fallait mettre les essences locales qui évoluent mieux. Les citoyens de Tondon ont été fortement impactés par la forte chaleur de cette année. Ils s'engagent désormais à suivre et entretenir ces plans pendant leur processus d'évolution pour le bien des Guinéens. Nous allons veiller à ce que ces arbres plantés-là soient bien entretenus, s'élèvent très bien comme si c'était nos propres enfants. Il faut dire que nous sommes conscients que sans ces arbres-là, forcément, on n'est pas loin de la sécheresse. Et avec sécheresse, il n'y aura pas d'eau dans le fleuve. Avec ce manque d'eau dans le fleuve, nous risquons de perdre tous les barrages qui sont réalisés dans le bassin de Concouré. Cette opération de reboisement est à sa troisième édition. 2500 plants ont été mis sous terre ici sur les berges du bassin du fleuve Concouré, à Tondon. Et puis, le suivi des jeunes plants a été un véritable problème durant les deux premières éditions de la campagne nationale de reboisement. Cette fois-ci, des mesures particulières sont prises par le ministère de l'Environnement et du Développement Durable pour le contrôle et l'entretien avec l'implication des citoyens. Je vous propose de suivre cet extrait du secrétaire général, Dr Karim Samoura, au micro de Mamoutanouba.
Un des problèmes majeurs que nous avons relevé jusqu'ici, c'est le suivi après planting. Et cette année, Madame la ministre a donné des instructions fermes pour effectivement mettre des dispositions en place pour qu'on puisse impliquer les jeunes des localités où nous, nous faisons des plantations d'arbres pour que ceux-ci, à travers un contrat, puissent assurer l'entretien et le suivi des plants. Avec un contrat ferme et nous viendrons vérifier les résultats vers, disons, le mois de mai de l'année prochaine, 2025. La campagne va s'étendre sur les 3 prochains mois. Tant qu'il pleut, on peut encore planter et nous allons ensuite revenir. La dernière étape de la campagne va se dérouler dans les centres urbains, à Conakry et notamment dans la ville de Siguiri que nous avons ciblée en raison de la chaleur élevée dans ces villes et la ville de Boké. Et au niveau de ces centres urbains, nous allons procéder à des plantations linéaires d'arbres le long des routes afin de ramener un peu d'ombrage dans les villes et lutter contre la grande chaleur dans les villes. Et c'est cette dernière phase se tiendra, va se dérouler vers, disons, la deuxième quinzaine du mois d'août. Et après cela, nous prendrons des dispositions pour les plantations réalisées au niveau des villes afin d'avoir des systèmes d'arrosage permanents pour maintenir ces arbres-là. Autre facette de l'actualité, la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, l'audience en appel dans l'affaire Rémi Lama et Soguima Psar, poursuivi par l'agence judiciaire de l'État et la société ZMC, s'est ouverte ce jeudi devant la Chambre des appels, alors que l'ancien ministre de la Santé, Sou Alpha Condé, est déclaré non coupable des faits de corruption dans la passation des marchés publics. Le parquet et les parties civiles motivent cet appel par le fait que les premiers usages ont dénaturé les faits poursuivis dans leur décision ayant innocenté Rémi Lama. Amara Bangura. Elle constitue la seule affaire du jour. Général Rémi Lama et la Soguimap comparaissent devant la chambre des appels de la CRIEF. Ils sont respectivement poursuivis pour des faits présumés de corruption et de complicité dans la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics. L'audience est un appel relevé par le parquet, soutenu par les parties civiles qui estiment que la décision innocentant l'ancien ministre de la Santé a dénaturé les faits poursuivis. Les premiers juges ont dit ce que les témoins n'ont pas dit. Monsieur Mamadi Camara, par exemple, l'ancien ministre des Finances d'alors, a fait savoir que c'est suite à la pression de Monsieur le président de la République d'alors, M. Alpha Condé, qui l'a signé, il a validé ce contrat, que sans cela, il n'aurait pas validé ce contrat de la société Soguimap signé par M. Rémi Lama. Si l'agent judiciaire de l'État et l'avocat de la société ZMC reprochent à l'ancien ministre de la Santé d'avoir exécuté un contrat annulé par l'autorité de régulation des marchés publics, la défense de Rémi Lama se veut méthodique. Elle a demandé la comparution de l'auteur du rapport incriminant son client. Ce n'est pas sa place, parce qu'elle est là à tort. Elle a livré, c'est une commande qu'on a faite, un contrat signé pour 3 ans. Elle a livré la première facture. Sur la demande de l'État guinéen, la deuxième aussi a été livrée, la troisième, vous avez même vu, ça l'a envoyé pour qu'on puisse produire le dernier acte signé par le ministre Sortan Pété, qui nous a demandé de livrer. L'audience a été renvoyée au 18 juillet prochain pour la production par la société Soguimap Sarl de documents attestant la troisième livraison de fournitures au profit de l'État guinéen et la comparution personnelle de Maître Sa Gabriel Tambadono. Cette information, avant de poursuivre ce journal, le barreau de Guinée dénonce l'arrestation de Omar Sylla alias Fonike Menge et de Mamadou Bilouba qu'il qualifie d'anachronique qui n'honore pas la Guinée. Par ailleurs, le barreau condamne fermement ces actes rétrogrades et liberticides. Il invite le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme ainsi que le procureur général près la Cour d'appel de Conakry de prendre leurs responsabilités afin que les personnes arrêtées soient libérées ou présentées sans délai au parquet compétent. Le barreau donne un ultimatum sous réserve de convoquer une assemblée générale jusqu'à ce vendredi 12 juillet 2024.
Autre sujet de l'actualité, célébration ce jeudi 11 juillet 2024, la journée africaine de la lutte contre la corruption. C'est une occasion de réfléchir sur les voies et moyens permettant de freiner le phénomène dans les sociétés africaines. En Guinée, la corruption est bien effective et est dénoncée par beaucoup d'observateurs. C'est le cas du Réseau national des acteurs du développement durable, RENAD, qui fait des dénonciations sur des actes présumés de corruption qui gangrènent l'administration publique. Ansoubaïlo Baldé. Dans sa dynamique de lutter farouchement contre la corruption grandissante en Guinée, la journée africaine de lutte contre la corruption ne passe pas inaperçue. C'est Alseni Farinta Camara, le président du Réseau national des acteurs du développement durable, en profite pour faire des communications afin de sensibiliser et d'informer les citoyens sur les conséquences de la corruption. Nous utilisons plusieurs canaux de communication pour sensibiliser les citoyens, pour pousser le maximum de personnes, les informer, les sensibiliser sur les graves conséquences économiques, humaines et tant d'autres, et sociales de la corruption qui mine notre pays. Et rappelez-vous que nous avons nous sommes en train de faire des dénonciations auprès des autorités judiciaires pour les interpeller. Le niveau de corruption dans notre pays, surtout l'enrichissement illicite au niveau de dans la fonction publique, dans l'administration publique. La corruption grandissante freine le développement du pays et l'épanouissement des populations vulnérables. La Guinée n'est pas en marge des pays où la corruption est effective. C'est pourquoi Alseni Farinta Camara s'est engagé dans cette lutte. Les fonctionnaires guinéens sont beaucoup plus préoccupés en l'enrichissement illicite, car travaille pour satisfaire les besoins des populations, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Et nous, nous sommes opposés à la corruption et nous sommes en train de lutter contre la corruption. Nous sommes contre la corruption et nous allons continuer à sensibiliser les Guinéens, à les informer sur les conséquences, sur les inconvénients de la corruption, afin que nous puissions nous mobiliser, pour que nous puissions nous engager, chacun en ce qui nous concerne, pour mettre fin à la corruption dans notre pays. La journée africaine de lutte contre la corruption est à sa 8e édition ce 11 juillet 2024. Le président du Réseau national des acteurs du développement durable a plusieurs dossiers de dénonciation contre des cadres de l'administration publique à la cour de répression des infractions économiques et financières. Il fonde l'espoir de voir ces dossiers prospérer pour le bien du peuple de Guinée. Alseni Farinta Camara est au micro dans Ansoubaïlo Baldé. Suivez. Et nous continuons de faire notre travail de citoyens, d'organisation de la société civile opposée à la corruption, et qui promet la moralisation des affaires publiques, la transparence budgétaire et aussi la rélevabilité dans la gestion de la chose publique. Et nous espérons que la justice guinéenne va prendre sa responsabilité et pour pouvoir œuvrer à la manifestation de la vérité. Et nous ne nous désespérons pas et nous allons continuer à faire notre travail et en tant qu'organisation de la société civile, en tant que citoyen, pour continuer à dénoncer, pour continuer à alerter, à interpeller et aussi proposer des alternatives pertinentes aux autorités et afin que la transparence, la responsabilité soient de rigueur au sein du gouvernement et de l'administration publique. Cette brève pour finir, l'équipe guinéenne sera privée du milieu de terrain à Guibou Camara pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Un courrier envoyé par l'Olympiakos grec à la Fédifoot indique que le club grec ne va pas libérer le joueur pour les JO. Il faut rappeler également que Issi Agassila, Dembo Sila, Ibrahima Diakité, Saïdou Sow, Seydou Bassissé, Mohamed Bayo, Morgan Guilavogui, Cheikh Soaré et Serou Girassi ne seront pas également présents à ce rendez-vous en raison de la non-libération par leurs clubs respectifs. Une situation qui laisse perplexe de nombreux observateurs. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media. Bonsoir.